Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la bêta de Star Wars Battlefront. Comme vous pouvez le voir, on est sur la version PS4, j'ai failli vous le faire sur PC, j'aurais pu aussi le faire sur Xbox One, mais du coup je le fais sur PS4. J'ai pu l'avoir tourné sur PC, le jeu il est magnifique. Sur console je l'ai vu aussi parce qu'en fait j'ai essayé vite fait hier soir quand elle a fini de télécharger, j'ai essayé un mode solo vite fait pour voir. Et même sur console, je peux vous assurer que le jeu il est vraiment beau pour un jeu multijoueur et tout, c'est vraiment très très beau. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, voilà, si vous entendez ce genre de bordel, on la voit là-bas derrière. C'est qu'il y en a une des deux qui dort là, à côté de moi comme d'habitude, et l'autre qui fait n'importe quoi. C'est ça d'avoir deux chats, et surtout deux chats qui foutent un peu la merde. Donc, dans cette bêta, on a trois maps disponibles, donc trois modes. Alors j'ai noté parce que... Enfin, j'ai des notes sur mon téléphone, parce que je me souviens pas. Donc on a la mission de survie sur Tatooine que vous pouvez jouer en solo, c'est contre des bots. Donc que vous pouvez jouer en solo, en coop en ligne, ou en coop en split screen, ce qui est un très bon point. Vous avez le drop zone, donc c'est des capsules qui tombent en gros, et... votre équipe doit se battre pour les récupérer en fait. C'est des matchs à 8 contre 8. Et vous avez le Walker Assault. Donc là c'est des batailles à 40 où vous jouez soit l'Empire soit les rebelles. Et où il faut détruire l'objectif des rebelles quand vous êtes de l'Empire. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer là. Et on va se faire un petit survival. Oui, on va mettre ça. J'espère que ça va fonctionner. Ça a fonctionné très bien hier soir quand j'ai essayé ce mode. Faut peut-être que j'appuie en fait. Ouais, voilà. En espérant que ça fonctionne, hein, parce que je vous dis, ça fonctionnait bien hier soir ce mode-là. Alors après, on peut se mettre en coop, en split screen, ou en single player. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... On va se mettre en normal. À la rigueur, on peut essayer de chercher... Ouais, non. Bon, allez, on va se dépêcher, on va faire single player. On va pas passer des tonnes de temps sur ce mode-là. On va pas perdre trop de temps dans les menus. Je vais vous expliquer les choses essentielles. Enfin, les choses essentielles. Voilà, les trois modes. Et on va surtout les essayer. Moi, j'ai essayé que ça. Hier soir, j'ai fait une partie de 5 minutes. En gros, j'ai dû tenir 3-4 vagues, à peine. Et le son aussi est énorme, la bande son est énorme, donc là, on peut changer d'arme. On va prendre ça, tiens, on va changer. Ça c'est quoi? Ah oui, on peut changer aussi ses... Comment dire? Ses autres particularités, parce qu'en fait, on a son arme... On a une arme secondaire, on a une touche avec un jetpack, et ça en fait ça se recharge. Ah, même la bande son elle est énorme. Et vous voyez c'est quand même très joli hein, pour une version console. Parce que c'était vraiment le jeu ça, vous voyez. Et alors pour ceux qui s'inquiéteraient d'un gameplay trop proche de Battlefield, moi aussi j'avais peur de ça, et je peux vous dire que c'est pas le cas, que c'est beaucoup plus réactif et léger que Battlefield, et que moi je préfère ça. Parce que j'avais un peu peur aussi de voir un Battlefield de Star Wars, quoi. Et non, au niveau du gameplay c'est beaucoup moins lourd, c'est plus léger et tout, c'est plus vif que ne l'est Battlefield. Donc, où est-ce qu'ils arrivent, ces cons, là? Et vous voyez, c'est quand même... C'est quand même très joli, hein. Vous voyez les effets de lumière et tout, enfin... On peut quand même pas dire que le jeu n'est pas beau, hein. Même sur console, il est franchement...
réussi à ce niveau-là. Il n'y a pas... J'ai pas vu de gros défauts techniques. Voilà, pour l'instant, il y a un petit peu de clipping, mais bon, dans l'ensemble... Faut vraiment être un anti-console acharné pour me dire que le jeu est pas beau, là. Ça tire. Après, évidemment, il sera plus beau sur PC, ça, c'est sûr. Mais je peux vous dire que sur PC, faut une machine de guerre aussi, hein. Donc, wow, wow, wow. Mais bon, voilà, ouais, sur PC, faut une machine de guerre, donc après, si vous avez le PC à au moins 1000€, qu'il fait tourner en ultra, 60 images secondes et tout, bah, c'est très bien. Et, bah, du coup, je peux que vous le conseiller sur PC, évidemment. Ah, je vais vous montrer, voilà. Les armes secondaires, vous voyez, un moteur physique en plus, hein. DICE oblige, hein, parce que de toute façon, en fait, c'est le moteur habituel de DICE, avec à nouveau une nouvelle technologie. Et de ce que j'ai compris, cette nouvelle technologie, en fait, c'est un peu une sorte de scan. En gros, il scanne les rochers, par exemple, et ça les implémente directement dans le jeu, ça les texture directement dans le jeu et tout. Et c'est une nouvelle technologie qu'ils utilisent en plus du moteur habituel. Et on peut quand même dire que c'est réussi. Regardez, il y a le vaisseau là-bas. J'entendais pas là. Oh putain. On va courir, hein. Je pense que là, c'est le mieux à faire. En attendant que mon arme secondaire surcharge. Parce qu'à mon avis, il n'y a que comme ça que je peux vraiment lui faire des gros dégâts. Cours vite. On va essayer de le prendre par derrière. Si c'est possible. Putain, l'enfoiré. Il m'a grillé, c'est retourné. Je vais essayer autrement, attendez. Maintenant, faut que je cours. Vous voyez, il y a ma jauge de vie en bas. Qui remonte toute seule, évidemment. Et donc, la vague d'après, ce sera des snipers. Merde! Je me suis suicidé! Ah, donc on a des vies en gros, enfin je peux réapparaître. Ok. Ah, c'est les snipers. C'est là que je suis mort hier. De toute façon, après, en solo, voilà, c'est pas le mode le plus intéressant à vous montrer, on est vraiment là en solo. C'est pas vraiment le but du jeu de jouer en solo comme ça. Donc du coup, après on va passer sur les modes en multijoueur.
Ah, c'était vraiment pour vous donner un petit aperçu. Mais je peux vous dire que pour ceux qui avaient les mêmes inquiétudes que moi pour le gameplay, on n'est pas sur du Battlefield là, hein, au niveau du gameplay, vraiment. C'est beaucoup plus vif. Hein. Là-bas. Je t'ai vu, salopard. Oh, ils sont beaucoup là. Vous voyez, même il y a plein d'effets partout. Enfin, c'est. C'est vraiment bien foutu. Hein. Je vois déjà les salauds, ils sont là-bas. Donc si je peux voler, salopio. Ils sont beaucoup là, hein. Regardez, j'aime beaucoup comment il part en vrille quand on le défonce trop. Bon, après, vous allez me dire que là, c'est un peu facile, mais c'est parce que j'ai mis en mode normal, hein, quand on a commencé au début de la partie, parce qu'il y a des modes plus difficiles que ça, hein, évidemment. Oh non! Oh putain, ça tire dans tous les sens là. Ouh, je pense que là. Je voudrais voir ce que c'est que ça là. Est-ce que je vais avoir le temps? En gros, faut que. Je crois qu'il faut que je récupère ces machins-là. Mais là, ils sont trop nombreux. Je pense que je vais surtout crever. Là, je suis proche de la mort, là. Hein. Bon, là, je suis condamné. Ah, voilà, tant pis. Bon, c'est pas grave. Ça vous a montré. Par contre, comment on fait pour... Voilà, on va quitter. On va quitter ce mode. Voilà, donc ça vous donne un premier aperçu de ce que peut donner le jeu en solo, on va dire. Parce que là, c'était vraiment solo. Maintenant, ce qu'on va faire... Donc vous voyez, il y aura d'autres modes. Hein. Donc on va regarder... Je revérifie, attendez, pour les modes... Le Walker Assault, c'est des trucs à 40. Et ça, c'est avec les capsules. Donc, on va faire ça d'abord. J'espère qu'il n'y aura pas de micro ou ce genre de choses. Ça m'arrangerait bien. Et donc là, c'est à 8 contre 8, normalement. Donc je m'excuse, j'ai un peu les yeux défoncés là, mais il est tôt le matin, vraiment tôt le matin. J'ai essayé d'ouvrir en grand pour avoir le plus de lumière possible, mais du coup, ok. Je suis obligé de jouer à un machin comme ça là, un sac à PV là. Donc apparemment, il y aura un système de cartes pour. Ok, pour améliorer son personnage et tout. Bon, on y va.
Bon, je suppose. Là, c'est mes collègues. Là, je suppose qu'il va y avoir... des points. Ça nous arrive dans le dos, les gars. Pouf. Bon. Évidemment, ça va pas être des bots. Ça va pas être le même niveau. Et je vais sûrement me faire éclater dans tous les sens. Comme à chaque fois que je vous teste un jeu multijoueur comme ça. Mais ça, je pense que vous en avez l'habitude, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent. Bon, une assist, c'est déjà pas mal. Ouh, ça fuse au-dessus de ma tête, là. Puis là, j'ai vraiment pas du tout les trucs que j'avais dans le mode tout à l'heure, le jetpack et tout ça, là, j'ai rien. Non, vous voyez, ça kill quand même, parce que ça, dans Battlefield, je suis incapable de le faire, hein, je vous le dis. Je vous le dis, dans Battlefield, je suis incapable de faire le moindre kill. Je suis vraiment... une grosse quiche. Ça pète. Ah merde. Dommage, j'étais arrivé au point en plus. Mais bon, après, il y a des mecs qui doivent avoir des trucs sur leur personnage et tout, qui ont déjà amélioré leur perso. Moi, je commence à peine, donc forcément, c'est un peu compliqué. Donc cette bêta, elle est ouverte. Pour ceux qui éventuellement ne seraient pas au courant. C'est... ouais, il était là-bas. C'est une bêta ouverte. Et... comment dire... elle est disponible sur tous les supports, hein. Oh putain, ça rigole pas là-bas. Donc en plus, voilà, elle est disponible sur tous les supports, donc Xbox One, PS4 et PC. Ça va péter, les gars. Oh, je me suis barré pourtant. Donc voilà, elle est disponible sur tous les supports, je vais y arriver. Et elle est ouverte sur tous les supports, évidemment. Bon, là, j'avance un peu à l'aveugle, hein, quand même. Oh, putain. Je suis tombé dans un trou. Ils sont deux. Trois, même. Ils sont trop nombreux, à chaque fois. Mais c'est vraiment beaucoup plus vif que Battlefield. Ça, c'est un très bon point. Parce que j'avais des doutes, quand même. Ça, c'est pas un jeu que j'aurais acheté les yeux fermés sans l'essayer, franchement. Après, faudra voir, parce qu'il y a plein de débats par rapport au contenu et tout. Donc, il faudra voir, justement, oh, quand il sera sorti, ce que ça va donner à ce niveau-là. Mais... moi, je pense qu'il y aura quand même de quoi s'amuser. Après, c'est sûr que... les gens, bah, comparent aux anciens. Et forcément, ils se disent, ouais, mais dans l'ancien, il y avait les vaisseaux, voilà, dans l'espace, il y avait tout ça. Là, il y aura des vaisseaux quand même, mais ce sera pas dans l'espace et tout. Et je comprends tout à fait, hein, y a pas de problème. Après, moi, j'ai pas vraiment joué...
Putain, je l'ai vu arriver la grenade, j'ai pas eu le temps de partir. Moi, je comprends tout à fait, hein. Mais après, bah, faut savoir évoluer aussi. Et bon, bah, il y en a un nouveau qui sort. Il faut l'essayer avant de juger quand même, malgré tout. Et puis le contenu, on verra bien. Après, s'il n'y a pas assez de contenu, eh ben, je le prendrai pas. Et puis voilà. Hein. Si tout le contenu est en DLC, forcément, bah... ils pourront aller se gratter. Je peux plus bouger, là. Tiens, salopio. Putain, moi j'ai rien du tout, hein. Les mecs ils ont déjà le jetpack et tout. Ça tire, hein. Bah là je suis mort parce que de toute façon ils sont tous là, donc et voilà, ils étaient tous là. Donc vous voyez, je suis pas un gros joueur, hein. De toute façon, comme je dis, je joue pas à Call of. Je joue pas vraiment à Battlefield non plus, parce qu'en fait j'ai un peu de mal vraiment Battlefield avec le gameplay et tout. J'ai même pas fait la campagne solo encore du Hardline, pourtant je l'ai, hein. J'arrive à faire le tour parce que là ils vont m'attendre. Ah merde. Bon, ils m'attendaient tous là aussi. Au fait. Bon, vous voyez, c'est pas mal du tout, hein. C'est assez dynamique et tout. Moi, j'aime bien. J'aime bien la bande son aussi. Mais bon, ça, de toute façon... c'était sûr qu'au niveau de la bande son, ce serait bon. Puisqu'ils ont eu le droit, ils ont eu le droit de reprendre dans la bande de LucasArts. Oh putain. Je t'ai vu, toi, là-bas. Ah merde. Game of Gnome. Bien joué, bravo. Bon, allez, de toute façon, c'est fini, là. On va jouer la mission suicide. Et on a perdu. Donc après, il y a un système de niveau, évidemment, comme dans tous ces jeux-là. Donc j'ai fait 6 kills, ok. Bon, je suis pas dernier de mon équipe, c'est pas terrible, mais je suis pas dernier, en tout cas. Bravo à ceux qui ont gagné et qui sont premiers d'ailleurs aussi des équipes. Donc voilà, vous voyez, on a un système de niveau comme d'hab. Voilà, il y a beaucoup de trucs, donc merci d'avoir joué à la bêta, ok. Ah, donc là, on va jouer... maintenant, on va jouer dans l'autre camp, apparemment. J'ai pas assez... ok, bon, bah, on va prendre celui-là, hein, de toute façon. J'ai pas le choix. Des grenades, dis donc. Allez. Oh non, ça, je... on va pas perdre de temps avec tout ça. Allez. Toc. On fait cette deuxième manche, puis après, on ira voir dans l'autre mode ce que ça donne. Donc, j'ai toujours pas de jetpack ni tout ça, évidemment. Je suis encore trop
trop nul. Alors la bêta va jusqu'au niveau 5. Apparemment. De ce que j'ai pu voir sur internet. Donc... ça fait quand même... je pense que ça... enfin, je sais pas pourquoi je dis ça fait quand même. Je voulais dire, je pense que ça va assez vite. Pourquoi lui, là-haut, il est en jaune. Il est pas en bleu. Ils sont deux. Oh, ils étaient tous là, même les salopards. Ouais, je sais pas pourquoi lui, il est en jaune. Est-ce que c'est parce qu'il est déjà au niveau max de la bêta? Ah putain, ils sont deux. Trois. Donc faut pas trop marcher dans l'eau, là. Faut faire attention. Allez, donc je vais vous faire une vidéo assez longue, hein. Pour vraiment vous, bien vous montrer tous les modes et tout, et les trois maps et les trois modes. Parce que bon, en fait, on va dire que chaque mode a sa map, là. Hein. Putain. Je sais pas ce que c'est qu'il a envoyé, lui, mais c'était violent. Oh putain. C'est stylé, ça. Va mourir, salopio. Il y en a un là-bas aussi, là. Je crois que je t'ai pas vu, toi. Oh putain, ça arrive derrière aussi. L'autre, il a mis une roquette à bout portant. Évidemment, évidemment ça l'a calmé, hein. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai une bonne impression. J'aime bien. J'aime bien parce que, justement, on n'a pas le gameplay Battlefield et j'avais un peu peur de ça. En voyant les vidéos, en voyant tout ça. J'avais un petit peu peur que ce soit un Battlefield skiné Star Wars. Oh putain. Ça pète dans tous les sens. Merde. Pas être directement sur mes collègues, hein. C'est mieux, putain. Moi, j'ai joué tout à l'heure avec. Maintenant, je le veux, hein, ce jetpack. C'est super bien, ça. Il est où, ce salaud? Ils étaient là-bas, les cons. Ouais, des fois, on sait pas trop d'où viennent les tirs, c'est un peu le bordel. Oh putain. Tiens. C'est bon.
Ça fait 4-0, hein. Je sais pas s'ils ont changé les équipes ou quoi, mais tout à l'heure on a perdu, et là... On est quand même en train de les matraquer, hein. Bon, c'est grâce à mes collègues, hein, beaucoup quand même, parce que moi, je suis pas très très bon. Mais ils sont quand même en train de manger pas mal. Oh le bâtard! Je me suis fait sniper. Comme vous voyez, le... Pour moi, un bon point dans un jeu, déjà, c'est de s'amuser et de pas être frustré. Et quand je me fais latter 10 000 fois sur... sur Battlefield et que j'arrive à rien, vous allez me dire c'est peut-être parce que je suis mauvais, c'est sûrement le cas d'ailleurs, mais je suis vachement frustré moi quand je joue à Battlefield et je m'amuse pas en fait, alors que là, bon là vous voyez, je viens de me faire exploser littéralement, mais je m'en fous, enfin ça m'empêche pas de m'amuser quand même. Il est encore là-bas, ce salaud, hein. Bon, on a gagné. Visiblement, putain, je suis dernier de mon équipe. Je fais que 3 kills. Oh, les gueules. C'est pas terrible, hein. 3 kills. Mais bon, 5-0. On peut dire que c'est quand même une victoire large. Grâce à mes collègues, évidemment, parce que moi, bon bah vous l'avez vu, j'ai pas fait grand-chose, hein, 3 kills. Allez, on va voir si on peut changer de mode. Pour essayer le dernier mode de cette bêta. Voilà, on va quitter... On va quitter. Alors, les Dark Vador, tout ça, on peut les jouer aussi, apparemment, mais je sais pas si on peut dans la bêta, mais dans le jeu, on va pouvoir. Attendez, je bois un petit coup. Donc voilà, on va se faire Walker Assault. Ok. Je sais pas ce qu'il m'a raconté, mais c'est pas grave. On s'en fout, de toute façon. On va jouer. Ok, génial. En plus, on va être vraiment... on va être à 40, enfin, on va être à 39, là, mais... Mais c'est très bien. C'est très bien. Ça va être le bordel, hein, à mon avis. Je vais me faire exploser dans tous les sens. Ça va être un bordel pas possible, mais c'est pas grave. Comme ça, on va voir si c'est fluide et tout, même quand ça pète de partout, même quand... voilà, on va voir si la version console, elle reste fluide. Parce que pour l'instant, vous l'avez vu, c'est assez joli, et en plus, ça reste fluide, hein. On va dire, allez, le seul, on va dire, gros défaut technique... Ouais, allez. Non, on est bien comme ça. Le seul gros défaut technique, on va dire, c'est peut-être que ça... Il y a peut-être un peu de clipping, voilà, il y a du clipping un petit peu, mais c'est pas violent, c'est pas des gros trucs qui apparaissent. Peut-être un petit peu d'aliasing aussi, mais dans l'ensemble, ça reste quand même... Ça reste quand même très joli, hein. Voilà, là, on est dans la map, voilà. Sur la map, dans la neige. Bon, comme d'hab. J'ai rien. J'ai rien. J'ai pas de jetpack, que dalle. On va s'accroupir aussi, peut-être que ça va aider à se planquer un peu. Tiens.
Ça arrive derrière nous aussi, là. Hein. J'ai vu des tirs partir de derrière. Et là, on est dans la merde, hein, parce qu'eux, ils sont équipés, les salopards. Hein. Oh, ils sont deux. Putain, les gars, il faut défendre le point, je me retrouve tout seul. Où ils sont mes collègues? Putain, ils ont les vaisseaux et tout là. J'aimerais bien en avoir un moi pour vous montrer un peu, mais je sais pas si on peut. Ah, si là-bas, attendez. Ah, putain, il y avait l'icône d'un vaisseau. Bah ouais, mais lui forcément va nous exploser hein. Ah, j'aimerais bien savoir comment on fait. Bon, de ce que j'ai pu lire dans ce mode là pour l'instant, l'Empire est quand même l'Empire est quand même bien aidé par tout son matos. Putain, ouais, mais il y a un truc, je voudrais savoir ce que c'est, là. Allez. Ah, je vais encore prendre plein la gueule et me faire défoncer. L'autre, là, même si on lui tire à 25 dessus, je suis sûr que ça suffira pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, je vais pas avoir le temps d'y aller, putain, je vais me faire exploser avant. J'y étais en plus. J'y étais. C'est moins marrant là pour le coup parce que c'est, ça a l'air quand même bien déséquilibré. Hein. Moi j'aurais bien aimé voir un vaisseau si on peut. Je sais pas si ça se trouve, on peut pas, hein, mais... Si en tout cas c'est possible, j'aurais bien aimé voir. Ok. Bon, parce que là vous voyez les mecs ils nous défoncent avec des vaisseaux, ils nous défoncent avec des... Enfin c'est... Nous on est là coincés par terre, là on est un peu... On est un peu dans la merde à chaque fois. Ah, puis alors là, j'ai pas de jetpack, alors du coup, laisse tomber. Oh putain, même... Ils sont deux. Oh. Puis alors, ils sont blancs, en plus, c'est qu'on a, alors... Blanc sur blanc, c'est un peu la misère pour les voix. Ça tire dans tous les sens. Oh putain, je vais éternuer. Je suis désolé. Excusez-moi. J'ai des petits problèmes de sinus en plus, donc forcément. Ça me gênait un peu, là. Oh putain, attendez. Et on peut rien faire, ça pète dans tous les sens. Ça pète dans tous les sens. On a rien du tout, ils ont les vaisseaux, ils ont tout là. On est en galère déjà. Moi j'aimerais bien aller voir là-dedans.
Ah, on peut pas les utiliser, ces vaisseaux, là. Visiblement, non. Attends, c'est dommage. C'est dommage parce que eux ils sont en vaisseau là. Et nous nous on est un peu dans la merde tout seul à pied là. Après vous me direz on n'avait qu'à pas se rebeller. Mais c'est un peu la misère. Je sais pas comment ça se finit, ce mode-là. Il faut que la jauge rouge, là-haut, elle avance. Donc, à mon avis, quand ils auront pris tous les trucs, ce sera fini. Oh, putain. Oh là 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 là. Ah, j'ai fait L1 plus R1 comme il me disait là. D'accord, donc ça pose juste un truc par terre. Ok. Toi, là-haut, je la vois sa grosse tête en plus là. Là, j'arrive à rien. Vraiment. Putain, il y avait un truc là, pour... je sais pas si c'était pour commander un vaisseau ou quoi, mais ça m'énerve parce que du coup, si on peut, je vais jamais réussir à vous le montrer. Putain, j'arrive à rien dans cette partie là, je suis désolé. Je voulais vous montrer des choses, mais là, j'ai réussi sur les modes précédents, mais là, sur celui-là. Là, sur ce mode-là, je vais pas réussir à vous montrer grand-chose. Voilà, donc il y avait ça à faire. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Oh putain. Quand on voit ce machin. Allez. Bon, puis j'aurais bien aimé la faire avec des gens que je connaisse aussi cette vidéo, mais c'était pas possible. Bon, en tout cas aujourd'hui. Si je veux pouvoir vous la donner, enfin si je veux, ouais, si je veux pouvoir vous la mettre à la date prévue, excusez-moi j'ai un peu de mal, bah il fallait absolument que je la tourne ce matin, parce que là en fait je la tourne, j'enchaîne le montage, et après je vais regarder combien elle pèse, et je vais la mettre à uploader maintenant ou ce soir selon la taille qu'elle fait. Voilà, je me casse. Je me casse.
Voilà, j'arrive quand même à faire quelques kills. Merde, je voulais me barrer sur le côté, là. J'ai pas eu le temps. Oh putain, excusez-moi. J'ai la fatigue qui prend un peu le dessus. J'ai encore envie d'éternuer en plus. Mais ça pète bien et tout, hein. C'est assez... Non, franchement, je suis assez content dans le sens où... c'est vraiment pas du Battlefield skinné Star Wars, quoi, au niveau du gameplay. J'avais vraiment peur, quoi, en sachant que c'était DICE derrière. Pas que j'aime pas Battlefield, hein, mais bon. Ça m'aurait vraiment fait chier que ce soit aussi lourd que Battlefield et que ce soit vraiment Battlefield, quoi. Oh, la musique. Donc quand je vois comment ils sont équipés, n'empêche. Je me demande vraiment... comment on peut faire. Ouais, moi j'ai pas de jetpack, donc je vais continuer en marchant tranquillement par là. Allez. Un. Ils vont tous arriver par là, de toute façon. Ça tire dans tous les sens, hein, quand même. C'est la guerre, hein. Oh putain, ça a pété, là. Ils en ont un qui a pété. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oh là là, ça pète bien quand même. Et ça reste fluide, hein. Ça reste fluide. Non, parce que bon, comme je disais tout à l'heure, si sur PC vous le voulez en ultra... faut une belle machine, hein. Moi j'ai un i5 3570K, qui fait 3 Go, je sais même plus combien il fait, 3 Go 2 3 Go 4, je sais même plus. J'ai 8 Go de RAM et j'ai une 960 GTX, mais en édition 3, c'est édition 3 Go, je crois. C'est une édition qui a été gonflée un peu et il tourne pas en... oh, j'étais en train de me gratter. Il tourne pas en ultra 60 fps avec une config comme ça. Donc, et eux, ils recommandent une 970 GTX en édition 4 Go, hein, pour qu'il tourne. Pour qu'il tourne, on va dire, en ultra et tout, bien, quoi. Donc, vous voyez, ça demande quand même. Oh là là, bah, je me fais défoncer par ces machins-là. Ça demande quand même une sacrée machine, et du coup, tout le monde ne peut pas se permettre de se payer de tels ordinateurs, et donc, vous voyez que la version console tourne très très bien et est très très propre. Donc, voilà, c'est... quand on voit le prix des consoles par rapport à un gros PC pour faire tourner ce genre de jeu, évidemment qu'on n'est pas au niveau de l'ultra sur PC. Ah, je suis pas dernier quand même. Pourtant, j'ai pas fait une bonne partie. Donc on n'est pas au niveau de l'ultra PC, évidemment. Mais on est quand même sur un jeu là qui reste fluide. Ça, c'est important. Il y a, ça pète dans tous les sens. Il y a des effets d'explosion, il y a des effets de particules partout. Et ça reste fluide. Ça, c'est important. Après, visiblement, il n'y a pas de lag et tout. Les serveurs ont l'air de tenir parce qu'en fait, ils se font cette grosse bêta. C'est un test technique.
visiblement ça fonctionne bien, donc c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu long comme mode ça, est-ce qu'on l'a fait ou pas cette partie? On est à 50 minutes déjà. Ouais, allez, bon, tant pis. Ça fera une vidéo qui durera plus d'une heure, ça va faire mal à l'upload, ça va faire mal au rendu et à l'upload, mais c'est pas grave. Parce que là, à mon avis, tout de suite après, je vous fais le rendu. J'essaie de vous mettre ça en 1080p quand même. Et après, je fais l'upload, parce que j'ai pas la fibre, et que là, ça va faire une vidéo qui va faire plus de 10 Go, je pense, à la fin. Et que, bah, évidemment, l'upload va être super... super longue, hein. Après, voilà, j'ai pas la fibre, j'ai une bonne connexion, on va dire, en download, ça va. J'ai la télé en HD et tout, j'ai une bonne connexion à ce niveau-là. Mais par contre, en upload, j'ai pas une connexion terrible. Du coup, ça commence déjà, là. Du coup, pour envoyer les vidéos, je vous assure que ça met un temps pas possible. Et surtout que, voilà, moi, je fais des grosses vidéos que j'essaie de mettre... la meilleure qualité possible par rapport à la taille. Il est évident que je vais mettre 1080p, mais que je vais laisser le bitrate comme il est d'origine sur le logiciel. Je vais pas le modifier parce que je vais pas l'augmenter comme je fais sur certaines vidéos, parce que là va durer plus d'une heure. Et que, bah voilà, je vais pas pouvoir augmenter le bitrate pour améliorer encore la qualité. Pour pouvoir, enfin, comme je vous l'ai dit, pour améliorer encore la qualité. Là, je vais pas pouvoir, quoi. Parce que sinon, la vidéo va faire 25 gigas, je pourrais jamais l'envoyer. Donc, vous l'aurez en 1080p quand même, mais... Mais en 1080p, tout à fait basique. Je crois que c'est 25 000, un truc comme ça, le bitrate à l'origine sur le logiciel en 1080p. Donc voilà, vous l'aurez comme ça. Hein. Des fois, je mets 40 000, 45 000. J'ai même mis 60 000. Mais je peux pas vous faire ça. Ah merde. Je peux pas vous faire ça à chaque fois. J'aime pas trop parce que le mec là-bas il s'est arrêté quand je tirais. Et je me dis, ça se trouve il a un sniper ou quelque chose. Ils sont tous là-bas les mecs, hein. Bon, ils sont pas faciles à toucher, hein. Aussi loin, mais... Ça tire pas mal, hein, même sur nos gueules. Attention, moi. Ah, ça me tirait dans tous les sens. Oui, je parle plus beaucoup, là, j'étais concentré. Ça me tirait dans tous les sens, là. Hein. J'en prenais derrière, devant. Je sais pas ce que c'est que ces trucs. C'est ça qu'il faut qu'on fasse en fait, faut qu'on les détruise. Je pense que c'est ça, c'est marqué offline. À mon avis, faut pas que nous on les... Oh, regardez là-bas! Il y a Dark Vador!
Regardez. Putain, c'est stylé ça. Je sais pas comment il a pu jouer Dark Vador. J'ai vu l'autre salopard avec son jetpack là. Bon, en même temps, ils sont tous ici là, c'est un peu le bordel. Hein. T'as voyé, ça pète quand même bien dans tous les sens. Wouah! Non, il n'y a pas à dire, les mecs de chez DICE, ils sont quand même... ils bossent quand même bien. Putain, j'ai failli me faire surprendre comme ça, quoi. En face to face. J'en ai vu un autre. Ça pète même dans le ciel. Hein. Ah putain, bah alors. Je les avais même pas vus. Ils m'ont pas vu non plus, remarque, ils sont tous là. Bon, il y a une aide à la visée, hein, je crois bien là, parce que... comment je peux les tirer de loin. J'étais suivi, non, parce que ça tire de là-bas, donc... En tout cas, ça pète quand même pas mal. C'est... Enfoiré. Enfoiré. Hop, j'ai shooté la caméra. Je peux pas réapparaître sur mes collègues. Bon, oui. Je vais apparaître tout seul, isolé, c'est pas très bon ça. Les rebelles, faut les exterminer. Voilà. Ça tire, ça tire, ça tire. Ça tire, ça tire. Attention, attention, parce que là, ça va tirer. Ça me tire dans le dos, donc là, à mon avis... Il y a tout le monde derrière. Et là, c'est par là-bas, faudrait qu'on aille. Vous voyez, on peut quand même s'aligner de loin. Hein. Ah bah merde, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Je sais pas si je l'achèterai encore. Tout dépendra du niveau financier parce que j'ai d'autres choses à acheter aussi. Mais
j'ai d'autres priorités comme Tomb Raider à vous faire. Sur la Xbox One. Celui-là, je veux absolument vous le faire. Mais ouais, ça sent quand même bon. Alors autant en plus j'ai été un petit peu refroidi par Need for Speed, alors je vous l'ai pas montré parce que j'ai pas pu vraiment le tester, mais enfin ce qui m'a refroidi c'est leur espèce de pseudo scénario avec les cinématiques avec les acteurs qui auront tous des Oscars dans les années à venir, hein. Ça c'est un truc, ils l'ont déjà fait en plus ça. Et ça, c'est un truc qui me refroidit un peu, parce que moi, je joue pas à Need for Speed pour avoir un scénario. Ça me fait plus chier qu'autre chose. Honnêtement, je m'en fous. Moi, je veux jouer à Need for Speed pour conduire des voitures. Et Putain, je l'avais pas vu. Moi, c'est pour conduire des voitures. Et pour... Oh putain. Tiens. Qui tu t'es pris? Ah bon, comme je disais, c'est pour conduire des voitures, faire du tuning, voilà. Et c'est pas pour avoir un espèce de pseudo-scénario, parce que si ça fait comme The Crew, que t'es dans un monde ouvert, mais que t'as un téléphone qui sonne toutes les 5 minutes pour te dire va faire ci, va faire ça, et va par ci, et va par là, ça, franchement ça sert à rien, ça casse les couilles. Du coup, on verra. Hein. Je pense que je le prendrai et que je vous le montrerai dans la version finale, quand même. Mais... Je vous avoue que je suis quand même refroidi par ça. Donc après, on verra bien, mais... Ah, je me concentre un petit peu. Non, m'en voulez pas. Putain, on a dépassé l'heure de vidéo. Ça, quand on dépasse l'heure de vidéo, je vous le dis, ça devient critique pour l'upload. C'est... Ça devient n'importe quoi pour uploader la vidéo. Oh, ça tire dans tous les sens. Je sais pas ce que c'est que j'ai récupéré avec L1 plus R1. Allez, ah oh merde. J'aime bien l'effet sur la neige. Ça arrive derrière aussi là. Putain, je l'ai vu en plus. Allez, va mourir, salopio. Allez, voilà. J'ai l'impression que quand on a l'Empire, ça facilite quand même les choses. Bon. Après, quand on est nul, hein. Mais j'ai l'impression que ça facilite quand même le truc parce qu'on est mieux équipé. Putain, ils sont partout. Une grenade, une grenade. De toute façon, ça allait exploser. Mais là, ils sont tous au même endroit, alors, hein, c'est un peu compliqué.
quand même assez impressionné par le rendu sur console et le fait que ça reste relativement fluide quand même. Victory. Bon, allez, on va s'arrêter là-dessus parce que ça fait 1h06. Oula, excusez-moi. Bon, j'ai été nul cette fois encore. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que là, vous avez eu un bon aperçu de ce que donne cette bêta. En plus, ça marche super bien. Il n'y a pas eu de déconnexion, il n'y a pas de lag. À ce niveau-là, ça marche vraiment bien. Merci d'avoir joué à la bêta de Star Wars Battlefront. Eh ben, de rien. Moi, je trouve ça bien qu'ils nous fassent des bêtas comme ça pour qu'on puisse essayer, parce que moi, j'avais des doutes quand même. Et finalement, je suis assez agréablement surpris par le gameplay, déjà. Qui est pas trop calqué Battlefield. Après, faudra voir si les autres modes se diversifient un peu. Je sais qu'il y aura des modes en vaisseau. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on puisse essayer ça dans la bêta, parce que je trouve que les trois modes se ressemblent quand même un peu. J'aurais bien aimé qu'ils nous mettent un mode où on puisse essayer les vaisseaux. En tout cas, c'est plutôt sympa. Je pense qu'avec ses potes, ça peut être pas mal. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.